Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le quatrième épisode de mon Let's Play sur le jeu Age of Empires Complete Collection, saison 7. Donc, toujours sur cette histoire de Chinois qui sont au lieu Catan et que c'est un peu la merde. Putain, Donc, j'ai un petit peu décalé par la rapport à forêt l'épisode est trop précédent, dense. parce que Nous ne là pour le coup, rejoindrons j'ai jamais refait le des haut games pouvoir et maintenant. j'ai gagné, donc sur Overwatch. Donc, du coup, là je suis un peu moins salé et La en plus de ça, flotte il fait est moche, c'est équipée le temps idéal d'explosifs, pour. non? Ces Pour armes ne retourner des vidéos. devraient pas leur résister bien longtemps. Jumbe, attention. D'accord. Moi, faut que j'utilise ça. Chufa. Donc, nous, on va aller sauver des prisonniers. Tiens Pour ça. donc. Je ne pensais pas que ça fonctionnerait. Ok. Chufa. On avance. Chufa. Oula, oula. Putain, mais ils font mal. Chufa. Bim! Alors, oh la vache. Ils font bobo. Désolé, oula, c'est sorti d'un coup. C'est sorti d'un coup. On doit faire quoi en fait? Interrompre le convoi de prisonniers avant qu'il ne tienne sa destination. Sauf que là, on pourra pas passer, hein. Donc du coup, on est obligé de. Ah, mais on a des. Capitaine, l'équipage est dispersé dans toute la jungle. Faites vite, ces indigènes ont de sinistres intentions pour nos amis. D'accord. Capitaine, ce territoire appartient à une autre tribu. Essayons de gagner sa confiance pour en faire notre allié. Ok, tu es un peu mal doublé. Par contre, c'est bizarre parce que 1 minute 41, ça fait quand même pas beaucoup. Pour aller prendre le machin là-bas, on va galérer. J'ai envie de balancer une grenade. Allez, balance la grenade. Voilà. Ok. Il y en a un autre par ici, on va essayer d'aller trouver le. Les prisonniers qui sont là-bas, enfin les prisonniers, les gens-gens qui sont là-bas, vu qu'on est tous dispersés un petit peu partout, c'est pas pratique. Alors, du coup, faut que je pète les arbres. S'il vous plaît, cassez-moi ces arbres. Sabre t'arrache! Mais c'est super rapide le convoi de Merci, prisonniers qui arrive tout de capitaine. suite là. Permettez-nous de vous aider. Ces indigènes sont de Suda. terribles guerriers. D'accord. Alors vous, je sais pas trop à quoi vous allez me servir. Alors, on va attendre que ça arrive parce que le convoi de prisonniers qui arrive dans 30 secondes, je suis d'accord, mais en fait moi j'aimerais bien récupérer d'abord mes unités. Ouais, peut-être un peu de monde là. Il y a peut-être un peu de monde. Alors on peut faire des unités. Faire des unités, voilà. Pas assez de nourriture, faut que je. Attends-nous. Le jour touche à sa fin. Chaque seconde perdue pour écouter la vie de nos hommes. Hein? D'accord, donc en fait, faut les sauver. Mais on va avoir du mal. Allez, bourrine! Putain, il y en a tué qu'un. À l'attaque, libérez nos compagnons. Ces portes sont solides. Nous devrions rester dans la jungle. Les On va pas y arriver. À moins que je récupère ma. À moins que je récupère la grenade, ça va être compliqué. Allez. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh! Nous avons Ok. éliminé le convoi, mais notre tâche n'est pas terminée. Nous n'aurons de repos tant que l'ennemi retient nos amis prisonniers. Ok. 10 villageois. Ah, mais d'accord, j'ai sélectionné eux aussi. Ok. Bon, alors, je comprends pas tellement le principe de cette mission.
Ça marche bizarrement. Ça fonctionne bizarrement. J'aimerais bien m'implanter quelque part. Du coup, ce qu'il faudrait, c'est que récupère du bois. En grande partie. Qu'on puisse s'implanter quelque part. Qu'on puisse faire des trucs. Parce que là, pour l'instant, on peut rien faire. Il nous faut plus d'unités. Trouver et libérer vos membres d'équipage. Vous voulez dire cela? Ça peut se faire, c'est pas un problème. Ou alors je pars directement avec ça et je fais pas de... Ouais, on va partir directement avec ça. Du coup, j'ai peut-être pas demandé autant de mecs au bois. Alors, 75... Ah, ça coûte cher quand même. Ça coûte quand même assez cher. Alors là, ça arrive. Bah, attendez, on va charger un petit peu. Pas les faire arriver un par un. Ensuite, on va attaquer les bâtiments de droite. On va voir ce que ça va donner. Ok, deux. On va essayer au moins d'en faire trois. Trois. Ouais. Aïe, avant que ça... Ok, c'est bon, je l'ai enlevé à temps. Ok, on va demander le dernier, donc dans 30 secondes de temps, voilà, machin. C'est un peu long tout ça. Ok, c'est bon. On va faire venir les unités et on en aura suffisamment, je pense, pour attaquer le deuxième... celui-là. Deuxième passage. Ok, ça arrive. De toute façon, on ne pourra pas en refaire vu qu'on aura une limite de version maximum. Allez, on va pouvoir y aller. On va pouvoir tout défoncer. Ça se met à courir vachement vite quand même. On va leur rouler dessus. Allez. Tu lances une grenade, tu me défonces tout. Voilà. C'est ça que je veux. Allez, bon, on défonce ce truc. Je m'installerai peut-être par là s'il faut. Oh, ils font tellement de dégâts de siège. C'est assez violent. Bon, alors, on va s'occuper d'ouvrir la boîte, casser les palissades. Oh. Ok, ça va vite hein, pour détruire les palissades. Hop, plein de nouveaux villageois. Et plein de nouvelles unités de guerre. Ok, on en a pas mal. Là, on en a bien. On en a quand même pas mal. On va pouvoir faire quelque chose. Je pense. Ah ouais, cool. Ok, on peut construire un centre-ville. C'est parti, on va pouvoir commencer à faire des trucs bien. Des trucs solides, comme on dit dans le milieu. Alors, ils construisent un centre-ville. Comme ça, on va pouvoir attaquer là-bas. Là, je pense que ça va être un peu plus compliqué s'il faut attaquer là-bas. Du coup, déjà, je vais mettre ceci. Ensuite, il faut que je fasse une académie militaire, mais ça va me coûter du bois. Du coup, plus d'unités au bois. Hop, quelques villageois en plus. Bon, le temps que ça arrive, on va mettre quelques unités au bois. On va faire quelques unités en plus. Parce que là, il y a quoi dans ce truc là? 520 pièces, ah oui, normal qu'il y ait une sacrée garde. Alors. Toc. On va faire popper ça. L'académie militaire.
Waouh. J'ai l'impression que ça va attaquer. Car c'est vous. Putain. Me cassez pas toutes mes unités. Voilà, c'est bon. Ok. Bon, ils m'ont un peu fait chier, voilà, ça passe. Ok, on commence à être bon. Au niveau de la nourriture, on est combien? Ils sont 10 à s'y attaquer. Là, on a combien de Pékins en bois? On en a 3. Quoi? Alors, hop, 4 ici, donc ça fait 7. On va peut-être pas avoir besoin d'autant d'unités, mais bon, c'est pas très grave. Ok, un peu d'or. Est-ce que je vais en avoir besoin pour faire des armées? Il faudrait une armée standard aussi, parce qu'il me faut des cavaliers un petit peu. Ça pourrait être bien. Qu'est-ce que tu fous là? Ok, ça fait 8. Ils sont 4 au bois. Alors, le problème, c'est que là, nos unités de guerre sont mélangées avec les villageois. C'est pas cool. Hop, petit groupe. Ok. Donc, est-ce qu'il reste assez de baies? De toute façon, je crois qu'il en reste ici. Ouais, on est bon. On aura assez de baies pour tenir tranquillou. Voilà. On va attendre ce groupe-là. Et on va pouvoir attaquer, je pense. Allez, on va y aller. On va suivre la route et on va essayer d'attaquer l'autre passage, enfin l'autre endroit où il y a des unités. Okay. Là, ça passe pas très bien, mais bon. D'accord. On va casser ça en attendant. C'est trop dangereux. Nous devons trouver un autre moyen d'entrer dans le village. D'accord. C'est trop dangereux, mais bon, on peut ouvrir hein, pourtant. Ah, il y a le passage là-haut. On va casser le baraquement histoire d'être tranquille. Waouh! Allez, c'est l'explosion qui a dû faire trop mal. Boum! Ok, si c'est trop dangereux, on va peut-être pas trop pousser plus loin. Je regarde ce que je peux faire aussi. Un château, ça pourrait être pas mal. En plus, ça fera un peu de défense. Ok, j'ai pas assez de nourriture. On va voir si on peut pas passer par le haut. Ouais, si, y a moyen. Alors, pète-moi ces arbres, on va voir si on peut pas avancer. Allez, c'est parti. C'est parti. On va certainement pas être tout seul. Oui. Ils sont un peu douloureux. Ok, j'ai vraiment plus beaucoup de vie. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir des unités qui peuvent soigner. Mais non, pas possible. Alors. Bim. Ok, ça va être compliqué. Ça va être particulièrement compliqué tout ça. Il y a pas mal d'unités partout. Allez, boum, bourrine. Bam. Ok, on les défonce, on les défonce.
Ouais, je les ramène, de toute façon on peut passer par là. En fait c'était... What? Il y a des gros trucs là, il y a des beaucoup trop gros trucs. Donc autant regrouper un peu. On n'est pas bon, on n'est pas bon. Il faut qu'on se regroupe, qu'on fasse plus d'unités. On va essayer de casser ce baraquement là. Parce que nous ne sommes pour l'instant pas assez bons. Pas assez d'unités, il faudrait peut-être que je change d'âge. Je perds des lance-flammes. Ouais. Ok. On se regroupe. On a été attaqué? Non. Oh, ok. Ah oui, mais non, pas besoin. J'allais dire qu'il me fallait une rizière, mais en fait non, pas besoin. Ouais. Vu qu'il y a encore des zones où tu peux récupérer de la nourriture. Bon, on va se refaire des unités. Faut qu'on se refasse une petite santé avant d'attaquer, parce que là, il y a des gros châteaux qui font bien mal. Avant de s'y attaquer, ça va être un peu compliqué. Mais je regarde, on n'a rien pour attaquer contre les bâtiments. Hein. C'est... contre les bâtiments, c'est pas tout, c'est pas vraiment top. Hein. Efficace contre la cavalerie ou les bâtiments. À la limite, on prend ça. On les fait venir. Ok. On va voir si ça passe. On va avoir besoin de quelques unités. Ah. Ok. Ils attaquent puis ils se barrent. C'est bizarre. Alors, nous commençons à avoir suffisamment d'unités pour pouvoir faire quelque chose. Ouais, ouais, on commence à avoir des bons trucs. On commence à avoir des bons trucs. On va pouvoir y aller. Mais non, pourquoi t'as attaqué, banane? Alors. D'accord, vous avez plus d'or, on va vous faire venir par là. D'accord, donc là on a suffisamment d'unités pour même faire deux groupes. Donc oui, on va pouvoir y aller. Go. Allez hop, les deux groupes, on y va. On va attaquer tout ça. Donc là, ils ont plus de quoi récolter. Oula. Alors. Le temple aztèque. Faut faire gaffe parce qu'il y a quand même d'autres unités qui attaquent. Ok, c'est plutôt solide, on y arrive. Ça a pas mal de vie hein, temple aztèque. Hein. Alors, on vire les baraquements. Ça, ça va aller vite. Et ensuite, on s'occupera des dernières... des derniers petites palissades. Et puis, tout sera bon. On aura tout fait. Allez, bourrez-les, c'est bon. C'est la win. Voilà. Toc, on va séparer un petit peu en deux. Wow, wow, wow.
il y a un peu de monde. Toc. Alors, vu qu'il reste encore une partie de la carte non explorée, c'est possible qu'on ait pas tout fini. Même si bon. Nous avons pris le contrôle du village et mis les ennemis en fuite. Ah bah si, on a gagné. Ok. Bon, ça va, c'était pas trop dur. J'ai eu pas tout compris au tout début, mais ça. Là, ça va. Janvier 1422. Ma maison me manque quand je me rappelle la pluie tombant sur les montagnes et le repos du soir. Je me fais du souci, d'ailleurs, il y a marqué du souci, pour l'amiral. Peut-être l'ai-je mal jugé, car il n'est qu'un jeune garçon. En ce moment, il est peut-être en train de trembler de peur dans la jungle, priant pour voir un visage amical. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais voilà. Un nouvel empire. Cette cité est déserte? Non, pas déserte. Les villageois se sont cachés. Enfin, pourquoi? Je ne peux pas croire que vous vous abaissiez à la mutinerie, Jinhai. Il n'y a pas mutinerie quand on est amiral. Vous comptiez piller la flotte une fois arrivé en Inde. Mais une bande de paysans et de marins vous en a empêché. Rassurez-vous, je ne ferai pas deux fois la même erreur. Moi qui vous avais pris pour un pleutre et un lâche. Mais vous n'êtes qu'un imbécile. L'empereur saura tout de votre trahison. Sur ces terres, c'est moi, votre empereur. Alors que votre empire meure ici. C'était tellement cramé. Oh là là, c'était quand même vachement cramé tout ça. Nul empire n'est éternel. Ces cavernes nous serviront de couverture. Une fois sur les plages du Nord, nous pourrons reconstruire notre armée. Je vous l'avais dit, ce fourbe d'amiral est une disgrâce pour tous les marins. Ok, mais on fera ça dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis on se retrouve dans 4 jours pour savoir le fin mot de cette histoire. Parce que je pense qu'on arrive un peu à la fin, sans doute. Le prochain, c'est l'avant-dernier épisode, je pense. Voilà, voilà. Sur ce, portez-vous bien. Et d'ici là, on se... Non, j'arrive pas à finir. Voilà, voilà, on va dire ça comme ça. Portez-vous bien et on se retrouve dans 4 jours. Allez, salut tout le monde.